Leclerc lance un rappel d'urgence sur des filets de maquereau distribués dans ses magasins en France. Cette mesure, motivée par un risque sanitaire sérieux, concerne un lot spécifique identifié comme dangereux en raison d'une concentration anormale d'histamine. Cette substance, bien qu'habituellement présente dans certains aliments, devient toxique à des niveaux élevés et peut provoquer une intoxication alimentaire appelée syndrome scombroïde. Lié à une surconsommation d'histamine, le syndrome scombroïde peut causer des rougeurs cutanées, des maux de tête, des nausées et, dans les cas graves, des troubles respiratoires. Les réactions surviennent rapidement, parfois en seulement 30 minutes. Les personnes sensibles ou allergiques sont particulièrement à risque. Les lots concernés, pesés entre le 14 et le 20 novembre 2024, portent un code GTIN spécifique. Pour limiter tout danger, Leclerc a suspendu immédiatement la vente des produits incriminés. Les consommateurs ayant acheté ces filets de maquereau sont priés de ne pas les consommer et de les rapporter en magasin. Un remboursement est garanti jusqu'au 14 décembre 2024. Pour toute question, un numéro d'assistance est disponible. 02 37 45 39 23. En cas de symptômes après ingestion, il est impératif de consulter un médecin sans délai. Il est également conseillé de conserver son ticket de caisse pour simplifier la procédure de remboursement. Cet incident met en lumière l'importance des contrôles sanitaires stricts dans la chaîne de distribution alimentaire. La réactivité de Leclerc, en collaboration avec le site Rappel Conso, a permis de limiter les risques et de sensibiliser rapidement le public. Les rappels alimentaires, bien que rares, soulignent la nécessité d'un suivi rigoureux tout au long de la chaîne logistique pour garantir la sécurité des produits. En agissant rapidement, vous protégez votre santé et contribuez à renforcer la sécurité alimentaire. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.